t'as pas fait gaffe, le mec avec la cagoule tout à l'heure, là. La cagoule, je l'ai vu dans les cabinets. Tu l'as vu dans les cabinets? Oui, c'était terrible. Je crois qu'il arrive, là. Il flirtait avec une fille blonde. Ah bon? Oui, c'était un peu... Alors, c'est un nouveau truc dans cette émission. C'est un mec qu'on a rencontré, on sait pas qui c'est. Oui. Une cagoule. Et c'est tombé sur toi. Salut, la cagoule. Cher maître, qu'est-ce pas-tu? Il a un joli accent. Ouais. Qu'est-ce pas-tu? Ah, ça, c'est moins bien. Ça dépend de mes vitesses internes, n'est-ce pas? Ah, violonique. C'est en quelque sorte. Quelques questions viennent à l'esprit vous concernant. Il apparaîtrait que ce deuxième disque... je crois qu'il s'appelle, aurait peut-être moins de succès que le premier, d'appeler les statistiques. Alors si le troisième est C'est-à-dire que les statistiques font qu'il faut savoir qu'Étienne effectivement était un succès plus qu'estimable, et que pour l'instant le deuxième 45 tours est à peu près disque d'or déjà, donc ça fait pas autant d'effet comme ça, mais comme moi je reste discrète sur ces trucs, sur les décorations, les remises de machin, ça fait moins de pub, mais ça fait partie d'un album, alors il faut aussi concevoir la chose. Étienne était un peu isolé, et maintenant ceux-là sont plus en groupe. Tu vas tirer combien de 45 tours de cet album? On va avoir, je sais pas, 4 ou 5. Mais ce que vous voulez savoir, c'est si le troisième a moins de succès que le deuxième, qui avait eu moins de succès que le premier, est-ce que tu vas continuer à tirer les 45 tours du 33 tours? Eh ben écoute, faut demander à la maison de disques, parce que ça, c'est pas tout à fait moi qui m'en occupe, mais je ne sais pas, on verra bien. Mais à mon avis, ça va avoir beaucoup de succès, tu vois. Vous noterez qu'il faut appeler la maison. On appellera la maison, mon cher. Et donc, pour passer d'un sujet à un autre, seriez-vous pour la légalisation de certaines herbes magiques qui peuvent de temps en temps aider à supporter les contextes différents du quotidien. Marie-Jeanne ou pas Marie-Jeanne, ou par l'extension plus loin? Au Pays Basque, je sais pas, mais enfin en Espagne, ils ont fait le plus gros quand même. Oui, mais j'ai le regretté, je crois, quand même. Justement, j'étais en Espagne. Pour les naissances interdites, Non, je suis pas pour, voilà. La cocaïne non plus, alors? Parce qu'aux États-Unis, non, ils en parlent sérieusement. Je trouve que c'est plus sympathique de pouvoir justement l'avoir en douce. Ah, c'est le côté caché. Ah oui, j'aime bien. Lui, c'est bien, il est caché, il peut se permettre de lire. C'est comme lui. Ben oui, il peut se permettre de tout révéler parce qu'il est caché, justement. Caché ou au grand jour, c'est ce qui nous intéresse de savoir. Si dans votre entourage, il y a des êtres qui ont des pulsions instinctuelles profondes... Instinctuelles. Oui. D'après mes livres, c'est instinctuel. Ah. Et... Êtes-vous pour les relations homosexuelles? Ah, moi, je suis pour toutes les relations. Ça. Alors là, de ce côté-là, ça se vend pas sous le coude, ça. Et il faudrait d'ailleurs qu'on arrête de parler de ça sous le coude. Ouais. Avez-vous vécu ce genre d'expérimentation? D'homosexualité? Non. Non. Non, j'aurais dit oui, ça me choque pas trop. Mais... Bah avant, c'était moi qui posais ce genre de questions. Oui, cette année, si tu veux, j'ai pris marrant, un mec qui a une cagoule. Toi aussi, là, qui les pose à ma place. C'est mon côté cucu clan. Oui, c'est son côté cucu clan un peu. Et alors, il est très bien. Oui, hypocrite, Il est hypocrite. Oui, c'est bien. À propos d'hypocrisie, justement. Oui, tiens. Oui, ma chère cagoule. Entre. Comme ça, PPDA. PPDA. Ocrent. Oui. Oui. Et. Guillaume Durand, avec lequel aimeriez-vous passer un week-end? À moi, si j'étais obligée? Oui. Avec Durand. Une question d'île désert. Avec Durand. Ah oui, c'est plus mon genre. Crainte, elle te dit rien. Non, pas... Pas sexuellement, quoi. Oui, voilà, tu vois, faut faire attention quand même. Ouais. Non, et PPDA, le pauvre. Alors, c'est pas du tout mon style. Tu vois. Et avec une cagoule non plus? Ah là, non. Ah, encore moins. Non, ça, je suis pas genre on éteint la lumière non plus. Ah bon? Là, t'as une question de plus, là, t'as vu? Et pour être sûr de ne rien rater de InnerArtitude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.